D'après le décret du 11 octobre 1990, il appartient au maire d'assurer l'information de ses concitoyens exposés aux risques majeurs. Pour ce faire, les administrés de chaque commune sont informés de la réalisation du plan de prévention des risques naturels au cours d'une enquête publique. Ils sont invités à participer aux réunions de présentation organisées par la mairie. Une étape essentielle qui permet de présenter le plan de zonage réglementaire et d'expliquer clairement le plan de prévention. Cette opération s'effectue sous le contrôle d'un commissaire enquêteur indépendant, mandaté par le ministère de la Justice, et chargé de recueillir et de rapporter les doléances des administrés au service qui élabore le plan de prévention avant validation de celui-ci. En assurant par la suite l'affichage des consignes de sécurité, le maire répond à sa fonction de responsable de la sécurité des habitants de sa commune. Chaque citoyen doit s'adresser auprès de sa mairie pour obtenir les documents nécessaires relatifs aux risques majeurs, notamment le CIS. La Guadeloupe est classée en zone 3, c'est-à-dire maximum, sur l'échelle du risque sismique. Le 17 juin 2006, les agences immobilières devront joindre au contrat de vente ou de location un état des risques naturels, par conséquent sismiques, auquel le bien est exposé, afin que toute transaction se fasse dans la plus grande clarté sur ce sujet entre les deux parties, le vendeur et l'acheteur, ou le bailleur et le locataire. Concrètement, ils doivent informer leurs clients des risques pesant sur la commune où se trouve le bien. Par ailleurs, un devoir de conseil les oblige à vous avertir sur les mesures et les renseignements à prendre en cas d'achat. Pour l'année 2006, les agents immobiliers ont cette obligation, comme dans tous les secteurs dorénavant, de faire de l'information préventive auprès des locataires et auprès des acheteurs. Tout agent immobilier qui est dans une zone sensible, et la Guadeloupe étant sur une zone classée 3, sur l'échelle de sismicité nationale qui va de 1 à 3, nous oblige et les oblige aussi à informer toute personne, tout acquéreur d'un bien immobilier. Né du souci de porter secours aux personnes en détresse, les associations comme la Croix-Rouge, le Secours catholique, l'ADPC ou encore la DRASEC participent avec les pouvoirs publics à l'organisation des secours, notamment en cas de catastrophe naturelle. Leur rôle en cas d'urgence est dans un premier temps d'accueillir les sinistrés. Une fois l'étape d'urgence passée, elles assurent un suivi et un accompagnement de ces derniers. Le Secours catholique dispose par ailleurs d'un comité chargé de faire connaître la culture de l'urgence afin d'expliquer au public les notions de catastrophe naturelle. Une chose est sûre, un bon partenariat entre les associations et les institutions assure une efficacité maximum. Notre mission, c'est de porter une aide à toute personne dans la détresse, sans considération de ses appartenance raciale, philosophique, religieuse. Donc nous portons l'aide. En dehors des actions de prévention sur le terrain pour expliquer les phénomènes ou former le public aux gestes qui sauvent, les associations travaillent en étroite collaboration avec les professionnels des services d'urgence, comme le SDIS et le SAMU, et participent aux dispositifs mis en place par les pouvoirs publics. Les bénévoles sont formés par des spécialistes pour savoir faire face et pouvoir aider au mieux les sinistrés en cas d'urgence. Ils participent à de nombreux exercices en interne ou organisés par la préfecture pour être toujours plus opérationnels. C'est le cas notamment à la PIRAC, la nouvelle plateforme d'intervention régionale Amérique-Caraïbes de la Croix-Rouge. La PIRAC n'est vraiment pas une association, c'est beaucoup plus d'ailleurs une plateforme d'intervention régionale Amérique-Caraïbes, mais c'est une réponse au désastre. Une réponse au désastre où nous nous rendrons le plus rapidement possible sur les lieux du désastre avec des médicaux, avec du matériel d'hygiène et avec du matériel eau de distribution pour prévenir déjà les premières nécessités. La prise de conscience du risque sismique est l'affaire de tous. La
reste calme, garde ton sang-froid. Qu'il fasse n'importe quoi, il ne faut pas qu'elle t'hiver la voix. Si au rez-de-chaussée dirige vers un endroit dégagé. Si ou à l'état, il faut pas en précipiter. Ou de ou à la F1. Protéger tête à ou évite à chao. Mettez-vous en bas en tas parce qu'elle peut écraser si quoi ou bien. Ou pas croupir dans un couloir. Éloignez de fenêtre, yeah. Quand on verra les bâtons et sa guillotine est à ou. Si ou de ou là, arrêtez en bas là. Dirigez vers un endroit dégagé. Pas ou à tous ces bâtiments là. Taillé ou à ces fils électriques là. Photo téléphonique là. Falaise bord de mer et aussi tout ça qui te voilà. Ça coué, faut qu'on me se sécurité. Ça j'arrive et ça qui arrive. Ça question de recommencer. Faut que nous tous soyons pareillés. Ouais, au cas où la terre du mer s'est tremblée. Une fois que la terre a tremblé sous tes pieds. Coupe le gaz, l'eau et tout ce qui est électricité. Vérifie si tout le monde autour de toi est indemne. Et n'utilise le téléphone qu'en cas d'urgence extrême. Si tu dois quitter ta maison, fais attention. Prends tes précautions, prends lampe de poche, trousse de soins. La radio pour les informations. Si t'es dans un immeuble, prends surtout pas l'ascenseur. Autant qu'entrer dans un bâtiment dommagé est une erreur. Regroupe-toi avec les autres dans un endroit dégagé. N'utilise pas ta voiture pour qu'ils se conçoivent pas gênés. Et si t'es sous les décombres, signale ta présence par le moyen le plus approprié à ton sens, à ton sens. Informez-vous auprès de la mairie de votre commune ou auprès de la préfecture en appelant le 05 90 99 39 00 et sur internet au www.guadeloupe.pref.gouv.fr.